10 outfits pour vos posts Instagram. C'est maintenant, c'est tout de suite. Extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. À côté de moi, j'ai préparé toutes mes affaires. Donc il y a 10 tenues avec 10 paires de chaussures différentes pour vous donner, j'espère, des idées pour vos posts Instagram. Je me qualifie absolument pas comme expert dans ce milieu, on va dire, dans le streetwear, dans les photos même. Mais franchement, c'est un domaine que je kiffe et j'aime bien prendre les photos quoi. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est le thème un peu de la vidéo. Voilà, il y aura beaucoup de tenues que je vais vous présenter ici que j'ai fait en post Instagram, d'où le titre de la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et peut-être, si ça vous conquit, à vous abonner, ça ferait plaisir. Et nous, bah, on peut commencer par la première tenue, les gars. Vous allez aussi avoir des plans portés de toute la tenue en même temps que je vous la présente, tout simplement. Donc c'est parti, on peut y aller. Let's go! On passe sur une petite tenue avec de la couleur, effectivement, j'adore ça. On va commencer par la pièce maîtresse, la paire de chaussures, Jordan 3 Racer Blue. Avec ça, on va mettre une petite casquette. Comme ça, New York, New Era. Petit pantalon de friperie, archi classe. Un petit t-shirt blanc, on s'en fout, on va pas le voir. Et ce magnifique pull Nike vintage incroyable que je kiffe. Ça, c'est clairement l'une de mes tenues du moment. Voilà, j'ai mis sur un post Insta. Il a, en plus, il a très bien marché. Donc, franchement, merci à vous. Donc, voici la tenue en musique. Ok, maintenant, deuxième tenue, c'est parti. Donc personnellement, à chaque fois quand je mets des tenues avec de la couleur, j'essaye de trouver un spot de la même couleur que mon outfit pour prendre les photos. Je trouve ça beaucoup plus stylé en vrai de vrai. Il faut que ça matche pas mal. Franchement, j'aime bien faire ça. Allez, deuxième tenue, les gars. Et on passe clairement sur ma paire du moment. Bam! New Balance 2002R Protection Pack. Une petite dinguerie, franchement. Je vous l'ai encore jamais présenté en vidéo, mais c'est mon dernier achat sneakers. Franchement, je kiffe. Avec ça, on met un petit pant workwear de chez Uniqlo, kaki, comme ça. Et ensuite, on met une petite polaire Carhartt grise, toute simple comme ça. Ou, là, c'est vraiment comme on veut, parce qu'on peut aussi caler un petit sweat noir à capuche, classique, comme ça. Lui, c'est un Carhartt. Donc voilà, tenue en musique, c'est parti. J'ai toujours pas fait de post Insta avec cette tenue, mais ça ne saurait tarder finalement. Troisième tenue, c'est parti. Là, on passe sur cette masterclass Jordan 4 Topaze que j'ai customisé moi-même. Donc voilà, elle est vraiment stylée. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je la custom, elle est là, donc let's go, faites-vous plaisir. Ensuite, avec ça, on met un petit pantalon marron, comme ça, un workwear, hein, encore une fois, de chez Jadid London, donc c'est carré. Et le sweat également de chez Jadid London, classique. Voilà, pour cette tenue, je me suis vraiment pas pris la tête. T'as une J4, tu mets full Jadid et ça passe quand même assez bien. Après, je vous avoue, je mets plus trop du Jade en ce moment, mais c'est quand même stylé, tu vois. Donc let's go, le résultat. Quatrième tenue, on est parti. Ensuite, on va caler une petite paire. C'est la Jordan 5 anthracite que je trouve giga giga belle, giga stylée, tu connais. Avec ça, petit t-shirt blanc classique, petit jean noir classique et une petite veste un peu moins classique, voilà, que j'ai chopé sur Depop à 1 giga BG. Donc voilà, une tenue que j'ai encore jamais fait sur Instagram, mais franchement, c'est dans ma tête pour les prochains posts. N'hésitez pas à noter tous les outfits en commentaire. Le premier outfit, vous mettez un et après vous mettez la note, ainsi de suite. Ensuite, on passe à une paire que tout le monde ne kiffe pas. Adidas Superstar Sean Wotherspoon. Moi, franchement, un pur délice, un pur kiff finalement. Avec ça, on va caler un petit jean incroyable. Alors lui, les gars, il est fou, trouvé sur Vinted. Avec ça, petit sweat à capuche Uniqlo, classique. Et la petite casquette verte, voilà, pour faire un outfit un peu vert, bleu, ça passe crème. Let's go! «
J'ai déjà fait cet outfit sur mon Instagram, donc franchement je trouvais ça plutôt pas mal. Personnellement, ce qui est important pour moi dans les outfits, vous vous en doutez, mais c'est surtout le matching, mais c'est aussi les pantalons. Voilà, franchement je trouve que c'est l'une des pièces maîtresses. Si t'as un vrai jean avec des petits logos, des petits trucs comme ça, ça change tout. On passe donc à la sixième tenue déjà les gars. Je vous cale cette horreur des Air Force One toutes éclatées. Elles sont vraiment rincées, hein. Elles sont vraiment rincées. Les Air Force One, c'est le classique de chez classique. On cale ce petit pantalon Carhartt, voilà, classique, bleu. Petit t-shirt oversize bleu également. Et petit hoodie comme ça que j'ai trouvé en friperie. Avec, pourquoi pas si on veut, cette petite casquette. Voilà, pourquoi pas, ça c'est un plus. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je te sors ma petite dinguerie Dunk High Michigan. Voilà, tout simplement. Moi, perso, je kiffe de full code couleur. Elle tabasse, finalement, elle tabasse. Petit jean comme ça que j'ai fait moi-même. Voilà, classique, c'est un Levi's que j'ai trouvé en friperie. J'ai fait un petit custom des éclairs, voilà. Avec une petite veste universitaire, voilà. Franchement, une dinguerie, je l'ai trouvé sur Vinted. Ça, c'est pas de la merde, c'est du vrai cuir. C'est une vraie veste, voilà, qui vient des States. C'est pas Shane, quoi. Ou la casquette, soit je mets celle-là ou celle-là. Voilà, je vais voir avec quoi ça match le plus. Ça match, ça marche, ça match. Oui. On reste dans la Dunk High avec cette petite paire, voilà. Une paire qu'on a restaurée avec Chanel, ma copine. Voilà, une petite dinguerie, j'ai mis des lacets crème, ça passe extrêmement bien. Avec ça, un petit pantalon beige trouvé sur Asos, une dinguerie. Petit crew neck Uniqlo rouge qui match évidemment avec la paire. Petite casquette noire. Et pourquoi pas mettre une petite sacoche Carhartt, pourquoi pas. Non mais voilà, je teste, hein. Arrêtez de me faire chier. Ensuite, je te sors la paire du placard, la Monarch, que j'ai jamais mis. Je l'ai jamais mis pour aller dehors. Donc voilà, franchement, elle est pas mal, hein, elle est pas mal. J'abuse un peu du bail, c'est juste elle me fait un peu mal aux pieds, c'est tout. On va faire un outfit un peu plus classique, pour le coup, un peu plus classe, tu vois, avec une petite chemise. Donc je te sors la petite chemise Burberry, voilà, franchement, elle est magnifique. Trouvé en friperie à 15€, le petit logo Burberry. Avec ça, je te mets un petit sweat gris par-dessus et un petit pantalon beige trouvé également en friperie. Si c'est pas beau la vie, finalement, voilà ce que ça donne. Ensuite, je te sors ma petite Dunk Bayou que j'ai customisée en vidéo, comme d'habitude. Voilà, je fais tout en vidéo, hein, je fais tout avec vous les gars. Orange comme ça, classique, elle est belle. Avec un petit jean, mais pas n'importe quel jean. Il a un petit design juste ici en orange, ça rappelle la paire. Et je te mets un petit pull blanc imprimé rouge et jaune. Rouge et jaune, ça fait quoi? Ça fait du orange. Donc c'est parfait. Et je vous rajoute ça avec, parce que bon, ça fait 3 outfits que je la mets. Mais bon, elle passe avec tout, elle est noire, donc me faites pas chier. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous a plu. J'ai essayé un nouveau truc, pourquoi pas finalement, vous me dites si vous validez. Un petit like sur la vidéo pour me faire comprendre que vous aimez ou vous aimez pas. Rejoignez-moi sur Instagram, maxime.sun, ça fait toujours plaisir les gars, voilà, on est bien là-bas, on est bien ensemble. Nous, on se retrouve bientôt, à plus, la prochaine, je m'emmêle les pinceaux finalement. La bise. En attendant